Good morning, Aleiden, les juges aujourd'hui les Benjamin Traester, Bat Miriam et Moshe Michael, Ben Machlouf et Rachel. Machla Rachel. Si vous souhaitez, vous aussi, les deux, une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étions Masechet Eruvin, Perexain, Mishnah Tet. Amar Rabbi Yossi, Bamet Varim Amorim, Bitrilat Eruv, Abel Beshiare Eruv, Kol Shehu. Velo Amrou le Arev Bachatzerot, Ela Kedei Shelo le Shakach. Et Atinokot. Je commence à traduire directement. Rabbi aussi nous enseigne. Bamet varim amorim. Dans quel cas ça a été évoqué? Soit la Mishnah précédente qui nous précisait les quantités de nourriture requises pour faire le Eruv, qu'il fallait soit une grogerette par habitant, par foyer, ou bien si on atteint un seuil, de un plafond de 2 seudot, équivalent de 4 ou de 6 betim. Alors dans ce cas-là, on s'arrête, c'est plus la peine de donner plus. Quand est-ce que je t'ai demandé une quantité tellement importante de nourriture? Bitrilat Eruv, lorsque tu viens faire le Eruv pour la première fois. Aval Bishiare Eruv, mais si c'est des restes de Eruv, soit tu as initialement pris la quantité requise, tu as demandé à chaque habitant la quantité requise, et puis après, donc, chacun il a amené sa petite dose d'une groguerette d'une figue. On était 5, on a eu le quai dans 5 figues, et après la quantité l'a diminué, on est tombé à 3 figues. Selon Rabbi Yossi, eh bien, Kol Shehu, tant qu'il reste quelque chose, ça suffit pour représenter le Eruv. Et pour quelle raison tout ça? Velo Amro le Aref Bachatzerot, Ela Kedei, Shelo le Shakar et Atinokot. Parce qu'ils nous ont traduit, après on va expliquer mieux bien sûr. Velo Amro le Aref Bachatzerot, ils nous ont dit de faire le Eruv des Chatzerot, des cours. Elle a qu'aidé Shelo les Shakach et Tatinokot, que parce qu'il ne fallait pas que cette halacha s'oublie des petits-enfants. Et on explique un peu mieux de quoi on parle. Soit, on a pris dans la Mishnah précédente des quantités requises pour faire le Eruv. Par foyer, une groguerette. Dès qu'on atteint l'équivalent de 18 groguerettes, parce qu'on est 18 foyers, on s'arrête là, c'est pas la peine de récolter plus. Rabbi Yossi dit, je suis d'accord avec ces quantités. Mais ces quantités-là, pour le Eruv, Hatzerot, ou pour le Shitouf Mevot, comme ça il nous disait le Tosot Yom Tov dans le Ben Yonatan, donc ces quantités-là requises, eh bien, elles sont requises lorsque tu viens pour la première fois t'associer. Mais une fois qu'on s'est déjà associé, alors maintenant, même si cette quantité-là va diminuer, c'est pas grave. Donc il en reste quelque chose. Et il justifie ça, Rabbi Yossi. Comment il justifie ça? En fait, Rabbi Yossi, il parle que c'est spécifiquement dans les Eruvé Chatzerot, lorsque ça va diminuer dans les Eruvé Chatzerot, alors il te dit, tu sais, en réalité, je te dévoile un grand secret. Lorsque tu fais le Shitouf Mevohot, tu t'acquittes aussi du devoir du Eruv Chatzerot. Tu avais réalisé ça. Un, il implique l'autre. C'est-à-dire le Eruv Shitouf Mevohot, il implique le Eruv Chatzerot. Malgré tout, je te demande de faire quand même le Eruv Chatzerot, pour ne pas que cette halakha va se perdre. Les enfants, ils vont voir que vous négligez le Eruv Hatzerot, ils vont se dire, ah, c'est pas la peine de faire le Eruv Hatzerot, ça n'existe plus. Donc du coup, on t'a demandé de faire un acte symbolique, de faire un Eruv, qui est un peu superflu. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on va te donner certaines permissions. On explique un petit peu, mais c'est quoi Eruv Hatzerot et c'est quoi Shitufé Mevot? Vous vous rappelez? Il y a la Reshut Harabim, la voie publique. L'impasse, ça s'appelle le Mavoy. Il faut s'associer dans l'impasse. Du Mavoy, il y a des cours, plusieurs cours qui sont partagés. Alors, lorsqu'on fait le Eruv, il faut que chaque cours elle fasse indépendamment le Eruv Hatzerot, et puis après, tous s'associent pour pouvoir permettre de porter dans le Mavoy. Vient Rabbi aussi et me dit, tu sais, en réalité, l'histoire de faire le Eruv Hatzerot chacun indépendamment, c'est un peu du bluff. C'est un peu superflu, ça sert à rien, en fait. Parce que quand vous faisiez... C'est quoi le principe de faire le Eruv? C'est qu'on va dire que maintenant, par le fait qu'on va tous cotiser, qu'on va tous donner de la nourriture ensemble, on va le mettre dans un endroit, on est devenu tous ensemble une très grande propriété. Si tu fais ça avec tous les voisins du Mavoy, de l'impasse, alors ça y est, toutes les cours et tous les habitants, les cours entre elles et les cours, hein, et même les habitants de chaque cour, ils se sont tous associés. Donc quand tu as fait le Shitouf Mevot, alors ça englobe aussi... que vous êtes déjà tous associés avec toutes les cours indépendamment. Alors pourquoi je te demande quand même de faire le Eruv Hatzerot? Que chaque cours indépendamment fasse quand même son Eruv? Je te le demande de le faire que pour ne pas que ça s'oublie. Puisque je crains que ça va s'oublier,
Alors maintenant, ça suffit que si initialement il y avait la quantité requise, et que cette quantité requise, elle a diminué, c'est pas grave, on ferme les yeux. Parce que de toute façon, c'était presque pas nécessaire de le faire. Je te demande de le faire pour un acte symbolique. Alors, symbole pour symbole, laisse un petit symbole et acquitte-toi avec ça, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.